Salut à tous ces casins, j'espère que vous allez bien. Pour ce mercredi, on va s'ouvrir, eh oui, une petite Pokébox. Donc ça, c'est du épée et bouclier avec Whistampoo sur le dessus. Très sympa en relief. Alors, elle existe évidemment avec l'Arméléon et Flambino. Ici, voilà, il y a différentes illustrations. Elle est vraiment très très belle. Mais vous le savez déjà, vous la connaissez déjà ici à la carte promo Gorithmic V. Donc à l'intérieur, il y a des boosters épée bouclier. Ça, c'est plutôt cool. Ça fait un petit moment que j'avais pas ouvert des boosters épée et bouclier. Et je peux vous dire que ça me fait plaisir. Même si je vous cache pas que j'attends désespérément la sortie de la dernière extension, mais ça a été un petit peu repoussé. Alors j'espère que c'est pas complètement repoussé à la fin mai, mais en tous les cas ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors je pense que les boosters devraient arriver, mais enfin les coffrets ça va être un peu plus compliqué. On aura quand même les tripacks, il me semble, avec un magnifique tripack Rayquaza. Allez, c'est parti, on s'ouvre ça, hop. Donc la carte promo, on va la voir après, faut pas s'inquiéter, je vais vous la montrer. On va essayer de ne pas l'abîmer. Voilà, ici. Donc, 4 boosters. Alors, à l'intérieur, on a le droit à 2 épées et boucliers. Ça, c'est plutôt chouette. 1 alliance infaillible. Et enfin, du soleil et lune. Bon, soleil et lune, visiblement, c'est le recyclage de cette édition. Même si certains ont du XY évolution. Et oui, encore du XY évolution. Ah, mais ça, c'est plutôt joli. On va le laisser en fond. C'est plutôt sympa. Alors, évidemment, je vais garder pour plus de suspense les épées et boucliers pour la fin. En plus, on a 2 magnifiques illustrations aux Assyriens Amazanta. Ça, c'est plutôt sympa. Magnifique aussi avec Dracaufeu. Et enfin, donc, on va commencer par le petit Lunala. Mais je vais vous montrer quand même la carte promo parce qu'elle vaut le coup. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, même si bon, je pense que vous êtes peu nombreux à l'avoir pas encore vu. Voilà, Gorithmic V. Alors, existe avec Pyrobut et ça y est, j'ai perdu son nom. Je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Mettez-le-moi en commentaire. Je l'ai oublié. Hein, c'est ça la mémoire. Donc c'est la SWSH014. Ça va me revenir. Hein, ça va me revenir. Mais là, en direct comme ça, ça me revient pas. Voilà. Alors, je vais la mettre sous protection comme d'habitude. Hein, petite sleeve. Ça c'est important. Les Argus. Voilà, c'est ça. Hop, ça m'est revenu. Hop, voilà. On va la mettre là. Magnifique. Allez. 4 boosters. Donc 4 fois plus de chances d'avoir une ultra rare. Pourquoi pas, même si en ce moment, bon, mes tirages sont plutôt pas mal. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Alors, pourquoi 1, 2, 3, 4? Tout simplement pour mettre la carte rare en dernier. Hein. Ça me rajoute un peu plus de suspense, tout simplement. Alors, l'énergie. Nosferalto. Est-ce qu'on va zoomer un petit peu davantage? Voilà. Alors, échange d'énergie. Professeur Euphorbe. Crabagar. Vorastéri. Nodulite, tout mignon Nodulite, Ratata d'Alola, Lupio, aïe aïe aïe, Pokéball en carte reverse, et qu'est-ce qu'on va avoir? Chelours. Bon ben je crois que Chelours donne le ton, et je pense que ça va être un mauvais tirage. Je sais pas pourquoi, mais avec Chelours qui donne le ton dès le premier booster, je me dis je suis mal barré pour cette ouverture, mais bon c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Chelours, il a tendance à donner le ton. Et on se dit, avec Chelours, on est dans la merde, hein, c'est tout. Hein. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'affectionne très peu Chelours. Hein. Alors, la carte énergie, Scorvol, très très belle. Croix-Poral, Rhinophéros, magnifique Rhinophéros. Scorplane, Feu Forêve, bien chelou. Chaglam, Caninos, très très belle illustration de Caninos. Fantominus, oh, alors celle-ci elle est magnifique, ça me fait plaisir de l'avoir en reverse. Carapuce comme ça est très très beau quand même, il faut le dire, hein. Magnifique Carapuce, et puis on les voit pas souvent quand même ces Pokémon, hein. C'est ça qui est assez fou, et on aura Magirève. Ok, bon, on attaque maintenant la série qui m'intéresse le plus évidemment, puisqu'on est sur du épée et bouclier. Et oui, épée et bouclier, ça je me dis ouais, ça m'intéresse à fond, hein, même si bon, je crache pas sur une ultra rare dans les autres éditions, mais là ça fait plaisir. Alors, énergie, échange, récupération d'énergie, Aflamanoir, Voltoutou, Krabi, Charibari, sous la flotte, Balbuto, Tritox, alors Frisonil en river, c'est attention,
que dalle. Lenture, en plus, lenture. Non, mais c'est quoi c'est... Même les rares, elles sont pas top, quoi. C'est pas possible. Alors, je veux bien ne pas avoir d'ultra, mais en plus, avoir des rares pas top comme ça. Lenture, non, mais c'est pas possible. Cette illustration, c'est pas possible, quoi. Regardez-moi ça, lenturne, quoi, c'est pas possible. Je sens que je l'avais dit, hein, chez l'ours en premier, ça peut pas être bon. Ça peut pas être un bon tirage. Allez, carte énergie. Énergie boréale, très très belle. Moumouflon, Quillfish, Chinchidou, Larméléon, très très joli. Larvadar, Balbuto, affreux. Moumouton, alors on a Chinchidou en reverse. Et bon, mais une holo. Bon, c'est, ça se rattrape quand même sur la main. Gorithmique en holographique. Elle fait quand même plaisir, cette petite holo. Bon, ça n'aurait pas été un tirage extraordinaire, malheureusement. Donc, les ultra rares se sont planqués. Chinchidou, Frisonil, Carapuce, elle est très très belle. Et la Pokéball. Donc, Pokéball en reverse. Et enfin, donc, les cartes rares. Heureusement, je pense que vraiment Gorithmique nous sauve la mise pour cette ouverture. Hein, parce que regardez-moi, Lanturne, quoi. Lanturne en rare, c'est pas possible. Magirev, Chelours, et enfin voilà, celle-ci on peut dire qu'elle est quand même assez jolie. Puis l'effet River, je trouve qu'il est pas mal. Gorithmique en reverse, voilà, j'espère qu'en tous les cas, cette petite vidéo bah, vous aura plu, hein, une petite ouverture de Pokébox Gorithmique. Alors, puis il est très sympa comme ça, ça fait, c'est très joli hein, quand même, ils sont super hein, ces nouveaux Pokémon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très très vite, j'attends avec impatience et je pense que je suis pas le seul, la sortie hein, de la dernière extension avec Clash des Rebelles, donc ça j'attends ça vraiment avec grande impatience et j'espère que ça va pas être repoussé, j'espère que bah là on est mimé hein, déjà, qu'on aura quelque chose, voilà. Allez, on se retrouve très très vite sur la chaîne, allez, ciao ciao et portez-vous bien.